Coucou à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me prépare avec vous en fait. Donc, je viens déjà pour vous présenter des produits déjà de chez Yves Rocher. Donc, le Hydra Végétal Masque Hydratation Intense à la Sève Végétale Hydrocaptrice, qui est comme ça. Donc, c'est un masque à laisser poser 2 fois par semaine sur le visage, laisser poser 5 minutes, puis retirer le surplus à l'aide d'un coton. Donc, je vais me laver les mains et je vais poser ce masque. Voilà. En même temps, je vais vous parler, hein, le temps que ça pose. Alors, ben, je remercie les nouveaux abonnés aussi qui sont venus s'abonner sur ma chaîne. Par contre, sous la vidéo, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur mon haul Action, bon, elle était un peu, j'ai vu que c'était un peu du n'importe quoi parce que je l'avais filmé avec mon téléphone et vu que je n'avais pas fait du montage, c'était vraiment une vidéo à la va-vite que je devais faire parce que je n'avais pas le temps en fait. Et du coup, j'ai eu 6 dislikes. Donc, les 6 dislikes, je ne les ai pas trop bien compris, hein. Voilà, après j'aimerais quand même qu'on m'explique au moins pourquoi vous me mettez des dislikes. Voilà, que vous n'avez pas aimé le montage, que vous n'avez pas aimé la façon dont je présente les produits. Tout ça quoi. Alors j'aimerais bien que quand vous mettez des dislikes, au moins que vous vous prononcez sur le pourquoi que vous aimez pas la vidéo. Voilà. C'est la moindre des choses. Hein. Après, si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein, mais alors, ne mettez pas, ne regardez pas mes vidéos. Hein, si ça ne vous plaît pas. Donc, voilà. Ma serviette, elle est là. Donc, je me sèche le visage. Donc là, je me prépare avec vous. Je suis à moitié coiffée. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler en même temps de certains produits tout en laissant poser le masque. Je vais avoir une tête, hein. J'ai déjà une tête comme ça. En parlant de sommeil, justement, parce que j'avais fait une vidéo avec mes problèmes de sommeil. Ben, ça s'est arrangé, ça va mieux. Je recommence à pouvoir dormir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Bah, écoutez, je vais le faire au doigt parce que bon, j'ai pas de pinceau. Donc, la crème se présente comme ça. Du coup, je me regarde dans le miroir. Et en fait, ça, ce masque, hein, ils disent qu'il faut le laisser poser, mais qu'il faut retirer le surplus avec un coton, en fait. Je vais éviter mes yeux quand même. Voilà, donc je vais laisser poser 5 minutes et je vais enlever le surplus avec un coton, comme ils disent. Voilà, donc ils disent bien laisser poser 5 minutes puis retirer le surplus à l'aide d'un coton, donc de chez Yves Rocher. Donc voilà, je vais me rincer les mains, donc 5 minutes. Donc, calculer. À 44, je vais l'enlever. Donc voilà. Je me rince les mains. Donc je vais vous parler de certains produits que j'avais reçus dans la, je crois, Birchbox. Et que j'ai testé, que je n'ai pas supporté en fait. Donc, déjà, j'ai testé le gommage Core Body Scrub Aqua Hero Exfoliant Naturel au sel de Guérande. Donc, c'est ce petit produit. Donc, on a 30 ml dedans. Bah, écoutez, je l'ai utilisé sous la douche. Massez le gommage en mouvement circulaire sur votre peau humide. Rincez soigneusement après l'utilisation. Utilisez une à deux fois par semaine. Bah, écoutez, moi, je l'ai utilisé et ça m'a brûlé.
Donc je sais pas pourquoi, je n'ai pas supporté. Je ne sais pas du tout, mais du coup, voilà, ce produit pour moi, je ne réutiliserai pas. Voilà. Donc celui-là, il va directement à la poubelle. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, ces shampoings. Donc le shampoing Timothée que j'avais acheté, je crois à Lidl, il me semble. Pour les blonds lumière, extrait de camomille 100% d'origine naturelle. Cheveux blonds, naturels ou méchés. Et franchement, il est bien. Il lave le cheveu. Il démêle même, je trouve. Il les rend hyper doux et super brillants. Donc ce produit est super. Et j'avais aussi acheté de la même gamme de chez Timothée. Le pur nutrition et légèreté, lait de coco et aloe vera. C'est l'après-shampoing cheveux normaux à sec. Et franchement, il est top aussi. Je l'ai testé, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc il démêle, il rend les cheveux doux, ça sent super bon. Ça sent super bon.